Et oui, il faut l'avouer, j'ai repris ma DS et c'est de nouveau parti pour de nouveau vos vidéos en folie. Hello, hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais oh mon Dieu! Je vais refaire du jeu vidéo! Mais oui, mais c'est un miracle! Non, tout simplement parce qu'en fait, il y avait quelques vidéos entre les jeux vidéo, je n'avais pas le temps. Et aussi parce que je ne savais pas quoi vous montrer, je pouvais faire du Pokémon, mais... Vous faire la présentation de mon deck. Oh putain. Vous faire la présentation déjà de tout. Je vous ai déjà tout fait. La présentation de mes boîtes, comment bien ranger. Je vous ai déjà tout fait. Et vous, vous en voulez encore? Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Et aujourd'hui, on va parler sur un sujet assez nouveau car c'est la distribution de Shaymin. Donc attendez, je vais faire un test. Hop, 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 hop. Oui, donc oui, c'est la distribution de Shaymin. Donc, comme c'est la distribution de Shaymin, j'ai envie tout de suite de faire un tuto comment changer la forme de Shaymin et être la première youtubeuse à le faire. Non, pas du tout en fait. Mais voilà quoi, j'ai bien envie de vous montrer. Et je vais expliquer d'une façon claire. Alors déjà, pour changer la forme d'un Shaymin, il faut en avoir un. Donc moi j'ai une technique assez tricheuse. C'est qu'en fait, j'ai... Je vais vous expliquer avant. J'ai Pokémon Y. Attendez. Et Pokémon Saphir Alpha. Donc je l'ai mis sur Y et sur Saphir. Et celui-là qui était sur Y, je l'ai transféré dans Saphir. Et oui. J'ai juste transféré. Donc j'en ai deux maintenant des Shaymin. Donc voilà. J'ai deux Shaymin. Donc il vous en faut un. Hein. Moi j'en ai deux. Hein. Un qui est discret et l'autre qui est lâche. Donc Shaymin. Et donc je vais prendre le lâche. Et donc il vous en faut un quelconque. Un quelconque, voilà. Voilà, un Shaymin. Et il faut être entre 5h du matin et 8h du soir. C'est-à-dire vous vous réveillez à 6h, par exemple. Et jusqu'à 8h le soir, jusqu'à 20h, bah vous pouvez le faire. Sinon après c'est fini. Donc... Vous voyez mon doigt, c'est pas bon. Donc alors, il faut vous rendre. Attendez, j'ai quelque chose sur mon écran. Sur la carte, et il faut vous rendre ici. Tout ce trait. La route 123. Voilà, route 123. Normalement, si vous prenez la carte, ça vous emmène à l'endroit où je veux que vous alliez. Ça vous emmènera pas à un autre endroit que je vois pas que vous allez. Si vous preniez la futéon, bon, ça serait un peu plus. Donc une fois, vous allez là. Ok, d'accord, je me suis déjà trompée, c'est ici. Et en fait, vous parlez à ce monsieur. Et vous dire, mais c'est un Shaymin. On dit que avec voilà, depuis très longtemps, c'est la coutume de la région de Sinnoh d'offrir un bouquet de gracidés pour exprimer. Donc il vous donnera une gracidée, donc c'est la fleur que Shaymin il a dans les cheveux, enfin non, dans les poils, c'est ça. Et c'était à Sinnoh qu'on pouvait l'avoir. À Sinnoh, ça pour exprimer sa gratitude. C'est parfait pour exprimer un merci quand ce sera vulgaire de dire à voix haute, pour les gens timides comme moi surtout. Donc ensuite, vous cherchez dans votre sac, ça sera dans cette catégorie, et vous rangez par nom. Et ça sera après le Glatempête si vous l'avez. Bah, normalement, vous devez l'avoir si vous avez eu un Lugia. Donc, Gracidée, et c'est la petite fleur que Shaymin a. Une fleur que l'on offre en gage de reconnaissance, notamment à l'occasion d'un anniversaire. Ensuite, tout simplement, vous venez cliquer Gracidée, utiliser à Shaymin. Et regardez, il y a plein de fleurs. Et Shaymin a changé de forme. Voilà. C'est tout simplement, mais entre 5h et 8h, donc maintenant on va trouver un point de combat pour essayer. Hein. Ce tuto, je l'ai vu sur Google, j'ai tapé comment changer la forme de Shaymin. Et il montre aussi comment changer la forme des trois esprits, là, des trois génies de Kyurem. Il montre tout. Hein. Voilà, donc c'est parti avec la suite.
Donc voilà, c'était comment changer la forme de shaming. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner ou à liker la vidéo. Avant de se quitter, je voulais juste vous montrer quelque chose. Donc carte Lavandia. Donc c'est pas un truc à reproduire, c'est juste un truc que j'avais envie de vous montrer. Voilà, j'ai atteint les 188 Pokémon d'EON. Contente, hein, 188, hein, c'est pas mal. Je ne capture pas beaucoup les Pokémon, moi je veux juste les légendaires. Donc je vais dans mon Pokémon Center. Ah, j'ai mal. Donc voilà. Donc je voulais juste vous montrer les Pokémon. Voilà, donc vous voyez le Shaymin là. Bah, on le met dans la boîte. Il change de forme déjà. Donc voilà, c'était le petit tuto là, le dernier. Donc vous pourrez constater que j'ai 3 Zygarde, donc un niveau 72, un 100 et un 100. Donc j'ai 200. Un 100 normal et un 100 aussi. Deux Jirachi, un anglais et un normal. Un Darkrai et un Darkrai. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Allez! Bye bye.